苛烈な粛清によって元老院を解体に追い込み、ヴェイン・ソリドールは帝国の全権を掌握した。帝国の国家機構はいささかの混乱をきたしたが、帝国軍はむしろ士気を高めた。ジャッジによる統制、そしてロザリア帝国の脅威が帝国の将兵を結束させたのである。一方、我ら解放軍も辺境空域にて力を養い、来たるべき決戦に備えた。イバリースの時代を決する戦いが迫りつつあった。目標に対艦攻撃訓練に移ります。両舷前進強速。当艦も彼らを標的に迎撃訓練を行う。対空要員、敵機のつもりで目を慣らせ。対空戦闘用意。閣下、ナルダワ支部より報告です。例の空賊が帝国の勢力圏を抜けました。アーシェ殿下のご一行も共にバーフォンハイムへ。殿下がご無事で何よりだが、石の回収は失敗か。石がなくとも我が解放艦隊は帝国軍と互角に戦えます。これほど訓練を積んでいるではありませんか。だと良いがな。解放軍に補給はしても共に戦うつもりはない、そういう町なんですね。空賊やら海賊やら国を捨てた連中の町だ。国のため命を懸けて解放戦争という柄ではない。おじさまはやはり戦争を。公爵自身も帝国とケリをつけねばならんしな。あんたをリヴァヤさんから逃がそうとジャッジに立てつく形になった。もうのらりくらりで買わせる状況ではない。できれば戦いたくないようだが、戦うとなれば手段を選ばんだろう。しばらくは解放艦隊の演習を続ける。我々がより大きな力を身につければベインも交渉の席に着くかもしれん。ベインは浜崎を握ってる。リヴァヤさんを沈めるほどの切り札を手にしていながら交渉に応じるとは思えん。だからこそ機構の帝都潜入を支援するのだ。機構の言う通り、浜崎が強力な兵器ならぜひ奪取してもらいたい。夜行の再編、あんたに渡すとは約束していない。石がなければ別の力に頼らねばならん。ロザリア軍と手を組むのか。我々に失敗は許されないのだ。ベインの思うツボだ。解放軍とロザリア軍が出ていけば浜崎でまとめて叩かれる。安心しろ、石はシドが持ってる。捕まえて覇王の剣で石をぶっ壊せばベインの切り札は消えてなくなる。時間が惜しい、シドを追うぞ。あいつはギルベガンに向かってる。ギルベガン、イエラの雇用に謳われてるわ。はるけき時の彼方にてたけるミストに守られてまどろむ聖地ギルベガン。至りし道を垂れぞ知る。ヤクト・ディフォールだ。ゴルモア大森林のさらに奥、
原用の森にミストの嵐が荒れ狂う一角がある。じゃあそこだ、行ってみよう。あんたは行かないのか。浜関にご就寝だと思ったが。シドの言葉素直には信じられん。俺は別の線を追う。へえ、他に心当たりか。妙におかしいな。それはお前も同じだろうが。早くしろよ、置いてくぞ。おお坊主、原用の森について部下に調べさせてある。話を聞いてみろ。分かった、ありがとな、レダス。考えるより先に飛べか。弟子の方が空賊らしいな。誰が弟子だ。アーシェ王女、正直に答えてくれ。シドの言葉が正しければギルベガンで新しい浜石が手に入るかもしれん。あんた未だに石が欲しいか。力が欲しいわ。でも恐ろしくもある。ダルマスカを守るには何も恐れてはならないのに。ナブディスを忘れるな。俺に言えるのはそれだけだ。Or Balfonheim. Ah, notre petit invité. Redas nous a demandé de te dire ce que nous savons du bois des charmes. Ricky, pourquoi aider ce gamin qu'on ne connaît même pas? C'est un ordre de Redas. Si ça ne te plaît pas, adresse-toi à lui. J'ai du flair, moi. Je vais prendre la mesure de ses intentions. C'est quoi cet ornithorynque là? Pas mal du tout. Je l'ai bien mesuré. Il ne veut aucun mal à Redas. Tu l'as mesuré? Tu te fiches de moi? Tu n'arrives même pas jusqu'à sa taille? Et encore, je compte le perroquet? Ça suffit, j'ai pris note de vos commentaires. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'intention d'obéir aux ordres de Redas. Fais ce que tu veux, mais je suis sûr qu'il n'en ressortira rien de bon. Je te prie de nous excuser, ne l'écoute pas. Bon, où en étais-je? Ah oui, le bois des charmes. Le bois des charmes s'étend au sud de la jungle de Golmor, sur le continent de Carvon. Tout à l'intérieur n'est que danger et illusion. Un mist très dense trompe les sens et voile le chemin. Trouver la sortie relève du prodige. Il parle de l'épreuve cachée du bois des charmes. Les portes de la cité perdue de Gilvegan ne s'ouvrent qu'à ceux qui la réussissent. C'est au bois des charmes que t'as tué le bombo? Non. Non, ça c'était la forêt de Silica. Le bois des charmes, c'est au sud de la jungle de Golmor, là où il y a les Vira. Je pensais que c'était mon écran qui déconnait. Non, non. Comme je me suis absenté pendant la cinématique, j'ai remis le truc. Une bonne habitude. On sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, effectivement, il y a du nouveau stuff. Effet coma. Ça a l'air bien, ça. Mais je peux pas la mettre à n'importe qui. Ça, ce sera pas ouf niveau magie, je pense. Même si elle peut les porter.
vais quand même en prendre une au cas où. Est-ce que ça vaut le coup ça? Ouais. Je vais même en acheter un deuxième. Bah là pour le coup on s'en fout de la force pour eux. Vaut mieux de la défense hein, sur les casters. Hein. Et j'ai intérêt à en mettre quelques-uns en stock de ça. Pour les deux zigotos là. Et à mon avis ça va être pareil. Je perds un peu en vigueur pour le tir, mais il gagne tellement en défense que je pense que c'est mieux. Pas voir, non. On est pas mal. Ah oui, j'ai débloqué ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Pour le moment, je l'achète pas. On verra. C'est à partir de cette ville, dans la version classique, que tu peux posséder toutes les magies et les gambits, je pense. C'est ce que disait Kendoza qui pouvait acheter certains gambits ici. Mais je crois pas qu'il y ait tous les gambits. Bah là j'ai déjà tout. On va regarder quand même à la taverne, il y a peut-être de nouvelles primes, certainement. Parce que c'est à chaque fois qu'on avance dans l'histoire, je crois. Hein. Il est où le marchand de cartes, Coupeau? Normalement il est vers l'entrée. Je l'aurais loupé. J'aime bien avoir la carte. Non, je l'aurais vu, je pense. À côté des chocobos, ça marche. Ah non, il y a un magasin caché à Nabidis. À côté des chocobos. Tu parlais d'un autre truc, pardon. Oula! Ouais, j'avais regardé il y a pas longtemps, hein, pourtant. Ce sont les annonces d'Arcades en fait. Peut-être pas toutes, mais c'est depuis Arcades qu'il y a tout ça. Là, ça c'est au port de Balfonheim, donc jusque là c'est normal. Arcades aussi. Ah non, c'était bien pour moi que tu disais ça, ok. Thank you. Ici en fait c'est que des trucs d'Arcades. Nalbina, ok. Nalbina encore. Bon, j'ai tout récupéré. Les rangs 6 vont être costauds. Les rangs 5 je dois pouvoir les faire. Le 4 aussi. En 6, je sais pas. Est-ce que j'ai le niveau déjà? Il y en avait une, c'était ici. Hein. Sœur triplée. Ah! Caméra capricieuse. C'est toi!
Un monstre m'a attaqué sur les plateaux de Serobi et m'a dérobé mon bagage. Je désire le récupérer. Il s'agissait d'un viral. Irez-vous le terrasser? Yes. Elle nous attendra sur place. Jean-Michel Cadrage a encore frappé. Ah ouais. Ça m'a fait un zoom là sur sa grosse tête. Est-ce qu'il y en a d'autres au port de Balfenheim? Tant qu'à faire, je les récupère. L'Albina... ok. Elles sont tout avant celles que j'ai faites. C'est curieux. Apparemment, non, il n'y en avait qu'une. Très bien. Des objets. Je vais quand même prendre de ces trucs parce qu'en fait, je me dis que sur un ennemi particulier, plutôt que de le virer, j'en aurais peut-être besoin, je sais pas. S'il fait confusion sur les trois en même temps, par exemple. Les magies. Surtout les magies. Voilà. Donc ça, c'est un sort de zone. Très bien. Ça, c'est pour voyager. Et je pense qu'on va devoir s'en servir. Quoique, manutentionné. Hein. En fait, ça mène où ça? Ça mène à la suite. Ils sont par ici les chocobos, non? Ouais. Ah bah oui, il y a les plateaux de Serobi juste à côté. Il me semble que l'autre il va nous rejoindre, Redas, à un moment donné. Mandoline. Mais attends, du coup, lui, il vend quoi? Des objets. Des armes, mais pas ouf. Par contre, il a de tout lui. Hein. Comme ça, je suis tranquille. On va quand même visiter le reste de la ville. C'est dans les plateaux de Serobi que j'ai trouvé le ruban, mais il faut d'abord trouver un bracelet dans le diamant pour l'avoir. Hein? Pour quelle raison? Des habitations. Je me demandais à chaque fois c'était quoi ces petits bonhommes là, mais en fait, ouais, c'est ça. Partisan de Redas. Les bracelets en diamant changent le contenu des coffres. Oh. Bah, c'est une information dont je me souvenais pas du tout ça.
Allez, direction les plateaux de Cérobi. J'aurais bien fait la nécropole de Nabidis. Mais je pense que je vais attendre encore un peu. Et j'irai vers le niveau 45, donc je vais avancer un petit peu dans l'histoire en attendant. Faire une zone ou deux de plus, quoi. Les plateaux de Cérobi. Bonsoir Netsuko, comment ça va? J'ai testé, c'est encore un peu chaud pour moi. T'es combien maintenant, Kendoza? Ah bah oui, j'ai déjà la carte. C'est grand? Un peu. Niveau 40? Ouais. Je pense niveau 45, c'est bien. J'ai viré les magies, je crois. Bah oui. Contre le boss. Si tu veux, t'as les terres de Nabreus qui sont à côté de Nabidis, un peu plus tranquille que Nabidis. Et un spawn au top pour level up, au promontoire de l'éternité. Mais ça, c'est une quête si tu fais les éons. Ouais, c'est vrai que j'ai pensé à Nabreus. Mais j'avais surtout pensé faire les deux en même temps, en fait. Ah! Ça va être très chiant, ces monstres. Attends, elle a pas balancé un feu là? Je voulais juste l'entamer pour qu'ils arrêtent. Voilà. C'est chiant les volants là. C'est très chiant. Donc on va faire ça. Ça sera moins chiant. Il faut se réveiller, Bash, là. Ah oui, bah c'est vrai, il met les célérités. Il est lent à mettre les célérités. Allez, on est parti. Je pense que je vais pas m'éterniser sur ceux-là. Ils sont absolument trop chiants. Ah mais attends, lui, il est déjà 42. On se fera. Ouais, c'est ce que m'a dit Kendoza Netsuko par rapport au bracelet de diamant. Si vous le voyez passer d'ailleurs, dites-le moi parce que à mon avis, je me rendrai compte qu'à à la toute fin. Si j'en trouve un. Thank you.
ça, les points de vie. Il est en train d'aiguiser son couteau dessus, on se croirait au grec. Elle est où ma cible au fait? Tant qu'à faire. Tout en haut à droite. Ok, bon, on va commencer par ça. Bon, par contre, les dragons là sont un peu relous. Ils sont longs à tuer en fait. Et pourtant, on est en mode accéléré. Hein. Vas-y, le lévitation. Lévitation même. Ah ouais, ils ont 60 000 points de vie quand même. Pas le debuff par hasard. Faudrait que je le mette. Hein. Magie blanche. Purge. Ouais, je l'avais pas mis sur elle, tiens. Les coffres dans cette zone là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, on va aller laisser un peu les dragons. Là. Ah, si, il y en a un là. Je l'avais même pas vu, tiens. Mais non, pas celui-là, putain. C'est quoi cette démarche d'un mec qui a la chasse mêlée à des hémorroïdes? C'est juste le mode accéléré, c'est vrai, pas de panique. Ou c'est toi quand tu manges une carbo?
Elles ont des points de vie, celles-ci aussi, hein. C'est trop bien quand ils font des multi-attaques comme ça. D'ailleurs, lui, je lui avais acheté une nouvelle arme, mais je pouvais pas la mettre, je crois. Putain, mais elle l'a aggro, je crois. Je sais pas ce qu'il fout, mais il fout. Il est en train de... Non, je sais pas. J'aurais dit de concentrer le mist, mais... Pas sûr, en fait. Au fait, Tox, si tu veux voir plus de mobs rares, il faut que tu ailles voir au club de chasse de à la côte de fond. Ah. Je leur avais parlé, effectivement. Il faut que j'y retourne, alors. Ah, mais stop gueulé. Ils t'ont pas demandé de chasser une tortue? Il me semble pas. Parfait, vous êtes venu. Le viral qui m'a attaqué est une énorme créature dotée de grandes ailes. Il ne doit pas être loin, venez. On va peut-être prendre H là. Déjà pour le vitalité, parce que je l'ai pas mis sur d'autres persos. Tiens, là, le soin 4, elle. Ok. Pourquoi pas? Star Océan, il sort le 27. Il y a peut-être des conditions aussi pour le spawn de celle-ci. Ou alors elle est en plein centre, j'allais dire, mais non. La voilà. Bon. Il y a peut-être bien des trucs à purger. En tout cas, je le fais pas très mal, hein. Attends, c'est une immunité sur quoi là? Je vois même pas.
Ça lui fait que dalle en fait. Hein. Boule de feu, on va essayer de l'eau ou de la glace. Dommage, j'ai pas le deuxième. Ça passe. Toi aussi, faut que ça passe. Pas sur elle. Je vais inverser les gambits en fait. Ça sert plus trop à rien. Enfin, si, ça peut. Personnage, si c'est PM, sont en dessous de 10%. Mais si je fais... Ben, je peux pas, en fait, faire... un sort contre l'ennemi, du coup. Si, absorbe les PM dans l'ennemi. Mais ça va viser le personnage, non? Je sais pas trop comment ça marche. Ah non, c'est bon. Bon, par contre, faut que ça passe, quoi. Bonne chance. Pour le moment, c'est pas trop ça. J'ai pas vu ce que le sort de flotte a fait d'ailleurs. Bon, ça passe pas. Ça, pareil, on va jarter. En tout cas pour cet ennemi, vitalité, ça va être que sur Bash. Elle perd trop de PM sinon. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ça? C'est pas ouf, hein. Ça fait 600. C'est nul. Et la glace. La glace, c'est pas mal. Bon, 2700, mais ça coûte cher. C'est pas grave. Par contre, je me trouve un peu costaud quand même. Ça va être chaud de tenir. À l'aide! Mince, elle est encore en train de balancer de la flotte, l'autre. Je suis en train de me paumer sur mes trucs. Ouais. Ah non. J'ai appris ça sur internet. Mais t'as rêvé? Reviens là, en fait.
Où est-ce qu'il est parti? Il a quand même pas changé de zone carrément. C'est possible ça? Ah le voilà. Coquin. Oh putain, il s'est heal de ouf. Oh l'erreur, fallait pas le faire avec Bash. Ouais, avec la glace, il descend quand même bien. Est-ce qu'elle va réussir à lui piquer ses MP? J'ai pas l'impression, hein. Ta peine. Mais non. Donner un super éther à nouveau parce que sinon on va devoir s'arrêter. Oh putain, il est en furie, je vais prendre cher là. Potentiellement. Ça tient. Je peux faire une impulsion. Et la magie a l'air de bien fonctionner, donc j'ai pas très envie. Bon allez, ça m'a saoulé. Ça, je suis plus ou moins sûr que ça va passer. Merde, je pensais que ça suffirait. Du coup, j'ai pas cherché à en faire un autre. Oh l'erreur. Pourquoi elle met pas un sort là? Mais un sort. Un sort qui fait mal. Attends, il a une immunité là ?
On dirait bien. Eh ben. Costaud celui-là, quand même. Hein. Nous avons vaincu. J'entends récompenser votre courage. Venez me retrouver à l'écume des flots, à Balfonheim. Je vous attendrai là-bas. Yes, on viendra. On remet ce qu'il faut. Ça c'est bon. La lévitation, on s'en fiche. Ok. En fait, c'est ça qu'il faut que je vire. On est bon, je crois. Ça dure pas assez longtemps, c'est l'héritage là. Je crois que je vais arrêter de le mettre à tout le monde. Mais laisse-moi avec mon trésor là. Il s'est suicidé lui. Ça m'énerve, c'est trop long. Ça va, il y a cette piège. Ah, ça tombe à pic ça. L'autre elle avait plus de PM. Parfait. Yeah.
Ouais, ils sont chiants les piafs, Kamigawa. Pourtant, je crois que j'ai allonge, mais... Peut-être que je les ai pas prises sur la grille. J'ai un doute. Est-ce que je les ai? C'est l'inverse. J'ai dû prendre sur la grille. Et je l'ai pas au final. Dommage. Mais tape dessus là! Il attend quoi? Cette tristesse, Netsuko. J'ai Tifa sur les genoux, mais c'est mon chat. Tu sens la déception quand il l'écrit. Bon, ceux-là, je les zappe, ils sont trop chiants. On va à la suite. De toute façon, on arrive déjà au bout de la zone, je crois. Enfin, déjà. Il reste un morceau. Un morceau. Tout ça pour 100 giles, purée. C'est honteux. La suite, ce n'est pas là. Quoi? Kill Vegan. C'est vrai, pourquoi je suis allé par là en fait? C'est pas du tout là. Enfin, la suite. C'est la suite de la zone où je me trouve, mais c'est pas du tout la suite de l'aventure, effectivement. Puisque la... Comment ça s'appelle? La forêt... Le bois des charmes, pardon. Le bois des charmes, c'est... via la jungle. Alors, j'y suis pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est une très belle zone, ici. Non, je sais pas, c'est comme on nous a proposé de passer par ici. Quand on était au port, bah, j'ai continué quoi. Et c'est vrai que là, on n'avance pas du tout le scénario en fait. Mais je suis pas comme toi, Mona, hein. Je suis pas un poivreau moi. Elle boit un litron devant chaque live. C'est pour ça qu'elle vient pas tous les jours, parce que sinon. Ça lui coûte très cher. T'inquiète, Mona, je le dirai pas. Tiens, quelle est cette racaille, voleur Vanga. C'est moi le voleur. Ah bah voilà, allonge, j'ai bien fait de venir ici. Je voulais voir un truc quand même. Où est-ce qu'on est sur la map monde? On va rejoindre les landes de Tsita. Semblerait-il.